Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui s'appelle Les affaires d'Adzaro. Donc, Adzaro, c'est le cheval que j'ai en demi-pension. Donc, j'ai des affaires différentes qui sont réservées rien qu'à lui, tout simplement pour éviter de transmettre les maladies pardon, aux autres chevaux que je monte dans mon autre club. Voilà, donc en fait, il a deux sacs. Donc, il a un petit sac comme ça de la marque Fuganza. Voilà, un tout petit sac tout simple. Où dedans je mets son licol qui lui est réservé rien qu'à lui, voilà, les friandises. Ça c'est quand je vais le voir uniquement au pré, que j'ai pas le temps de le monter ou de le travailler. Je prends uniquement ce sac là, je vais au pré avec, je mets quelques brosses dedans à l'intérieur pour le pincer, pour le brosser. Vite fait, lui faire des câlins et lui donner des bonbons. Et voilà, ça évite que je prenne en fait ma grosse boîte. Il a sa grosse boîte, donc c'est une GB700 de chez Decathlon. Donc elle est bleu turquoise avec la truc gris. Voilà. Dans la grosse partie, il y a un licol éthologique. Donc en fait, je ne fais pas spécialement de l'éthologie avec Adzaro. Bon, il est un peu emmêlé là. Je ne fais pas trop d'éthologie avec Adzaro, c'est juste pour lui apprendre, parce qu'en ce moment, je lui apprends à reculer et à respecter mon espace. Et donc en fait j'utilise juste un licol éthologique pour que en fait les actions soient un petit peu plus comment dire plus fines en fait. Donc vous inquiétez pas, je tire pas comme une malade sur le licol éthologique, et encore moins je ne l'attache jamais avec. C'est juste pour en fait renforcer les aides, on va dire, vu que c'est une corne en fait. Du coup c'est un tout petit peu plus dur sur le chauffrein, et donc en fait il obéit un peu mieux, on va dire ça comme ça. Donc voilà, donc c'est un licol éthologique que j'utilise uniquement quand je fais du travail à pied en fait. Lui apprendre à reculer, voilà, respecter mon espace de vie. Voilà. Donc ensuite j'ai une alliance. Donc c'est pour le longer, donc qui est bien pratique. J'accroche ça au mors et hop, j'accroche la longe ici. Et c'est beaucoup plus pratique que d'attacher la longe sur le mors. Voilà, donc une alliance. Et j'ai ma longe. Hop. Voilà, une grise et noire. Que m'a offert Moustache, oui. Pendant le swap qu'on a fait. Donc voilà. Et l'alliance aussi, c'est celle qui me l'a offert. Ensuite. Donc ici, j'ai acheté une autre petite couverture séchante, mais celle-là, c'est vraiment... En fait, c'est pas une couverture séchante que je vais mettre sur le dos d'Adzaro. En fait, je vais plutôt l'utiliser comme serviette. Beaucoup mieux que les serviettes, parce qu'ils sont en matière un peu... Voilà, un peu comme ça. Donc quand on veut vraiment essuyer quelque chose, c'est beaucoup plus pratique. Et voilà, ça évite de prendre une serviette à nous, en tout cas. Mais voilà, en fait, c'est pour moi, je l'utilise pas comme couverture séchante, mais plus comme une serviette, en fait, pour vraiment tout essuyer. Voilà. Voilà. Chiffon. Donc là j'ai une éponge pour appliquer l'anti-mouche. Un anti-mouche, donc c'est un gel anti-mouche de chez Fuganza. Un gel insectifuge, voilà. Juste à côté
j'ai de l'huile. Donc c'est de l'huile pour les pieds secs de la marque Fugenza. Ensuite j'ai de l'onguent blond, de l'onguent blond du Maréchal. Donc ça c'est pour les sabots, hein, vous l'avez bien remarqué. Donc là j'ai une petite éponge pour... c'est vraiment pour tout essuyer en fait, pour les petites taches etc. Donc j'utilise cette éponge là. Lingette pour les yeux et naseaux. Voilà. Qui d'ailleurs je vais finir le pot et après je vais plus en racheter parce que ça ne sert pas, pas vraiment en fait. Là j'ai un spray insectifuge, donc là c'est voilà, c'est à peu près, enfin c'est la même chose que le gel en fait, sauf que c'est en spray de la marque Fugenza. Ici juste à côté j'ai un shampoing à la citronnelle, donc pour l'été. Voilà. Bien sûr, je vous ferai une vidéo comment doucher un cheval, donc ça c'est prévu. Là, j'ai une grosse éponge pour la douche. Voilà, que j'utilise uniquement pour doucher à zéro. Là, j'ai... Donc là, c'est un peu ma trousse à pharmacien. Là, j'ai de la bétadine jaune. Voilà. Et là, j'ai des compresses en fait. Voilà, j'ai des compresses et de la bétadine jaune. Donc ça peut toujours servir en fait. Voilà, quand il y a des petits bobos. Et là, c'est un démêlant lustrant, voilà, qui est ici. Voilà, donc en fait, dans le gros, ça donne ça. Ensuite, dans le petit compartiment, donc j'ai une paire de gants pour longer. Voilà, voilà. Donc les gants, je les utilise uniquement pour longer et pas quand je monte, parce que quand je monte j'aime pas du tout ça. Donc voilà. Ensuite j'ai un mélange que j'ai fait, donc ça c'est du soufre et de l'huile de paraffine, donc j'avais fait une vidéo sur ça. C'est un mélange qui sert contre les gales de boue. J'avais fait un mélange et du coup je l'ai gardé dans une boîte, voilà, au cas où un cheval a une gale de boue, enfin si Adzaro a une gale de boue un jour, voilà, j'aurai ce petit mélange-là pour lui mettre. Ensuite, j'ai un petit anneau comme ceci. Voilà, donc ça, c'est pour attacher Adzaro. Donc, vu que, en fait, Adzaro, il tire beaucoup, enfin, non, pas beaucoup, mais il tire de temps en temps au renard. Et c'est très, très chiant parce qu'à chaque fois, la corde est pète. Et une fois que la corde a pété, ben, en fait, on n'a plus de corde. Donc voilà, c'est assez chiant. Donc en fait j'ai acheté ça, du coup quand il tire au renard, hop, ça s'ouvre tout seul. Et je reprends un zéro, hop, je raccroche l'anneau à l'anneau. Et voilà en fait, pas besoin d'avoir des bouts de ficelle sur soi à chaque fois. Donc ça c'est très 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 pratique. Ça je vous le conseille même pour les gens qui montent uniquement en club. Si vous avez des chevaux qui tirent beaucoup au renard, c'est vrai que c'est chiant parce qu'à chaque fois on n'a pas forcément... On n'a pas forcément des bouts de ficelle pour les accrocher, quoi, continuer à les accrocher. Et donc ça, c'est très 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 pratique et ça coûte pas vraiment cher en fait. Donc je l'ai acheté sur le site Cramer. Et il y a plein de couleurs. Il y a bleu, rouge, violet, noir et voilà. Donc voilà. Ensuite, j'ai donc un peigne. Voilà, donc ça, c'est pour faire des coiffures si j'ai envie. Un ciseau. Donc ça c'est pour couper la crinière, et enfin la crinière, non pas la crinière, uniquement la queue. Voilà, je coupe uniquement la queue avec le ciseau. Voilà. J'ai un espèce de peigne avec un petit rasoir ici, vous allez voir. Voilà, et ça c'est pour désépaissir les crins. Pour couper aussi un peu plus, enfin couper les crins au niveau de la longueur et les désépaissir. Parce que quand on les fait au ciseau, ça fait très moche. Et vu qu'Adzaro il a une crinière longue, et enfin il a vraiment une belle crinière. Et donc j'utilise ça pour en fait lui couper la crinière tout simplement. Comme ça donne un effet beaucoup plus naturel. Je l'ai acheté à Pad. Et j'ai des élastiques. Voilà. Au cas où je veux faire une coiffure à Zaro. Et dans le compartiment, j'ai mon pinceau pour l'onguent blond. En dessous,
le petit compartiment, je vais y arriver. J'ai toutes les brosses pour Adzaro. Donc j'ai un bouchon, une brosse à sabots, une étrille américaine, une brosse douce. Et en tout, j'ai une étrille finlandaise et un cure-pied. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo sur les affaires d'Adzaro vous aura plu. On se retrouve très très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Gros bisous.